de la maison du poète. C'est dans ce lieu, sur le bureau des rêves, qu'André Breton a rédigé des textes essentiels du surréalisme. Créé le célèbre jeu L'un dans l'autre et de nombreux dans la musique. 613 000 euros sont nécessaires pour restaurer cette maison emblématique et réaliser le projet de l'association La Rose Impossible. On a rêvé d'un lieu sans âge, où l'on puisse jouer d'un regard panoramique sur tout ce qui se découvre et en même temps se dire. L'imaginaire, c'est ce qui tend à devenir réel. Tout ce que j'ai fait et tout ce que je n'ai pas encore fait, je le donne. C'est en juin 1950 que le poète